Qui a ouvert la porte pour toi? C'est elle-même qui a ouvert la porte. Elle-même a ouvert la porte. D'accord. Et tu as profité de ce moment. En plus d'elle, tu l'as semé, cette semence, en combien de personnes? De plusieurs. Dans le cas de plusieurs. Tu les tiens. Où ils sont? Tu les as mis où? Tu opères depuis quel hôtel? Où est ton hôtel sur lequel tu es placé pour opérer? Mais quand tu viens ici, on va te dire la vérité. Que tu sois le ministre, que tu sois le président, que tu sois le ministre, que tu sois le président, même la Russie. Les broussailles à l'église. Dans les broussailles de l'église. Dans les broussailles d'où? Ton argent ne peut pas acheter. Devant l'église. Ils vont à l'église. Devant l'église. Devant l'église. Tu n'as même pas peur. Je l'ai dit. Tu n'as même pas peur de venir devant la présence de l'Éternel. Qui nous séparera de l'amour du Fils? Alléluia. Alléluia. Nettoyez-vous et continuez. Tu le tiens comment? Parce que le combat, c'est pas une affaire. Mais ça, ce n'est pas un péché. Tu te tiens où pour les attaquer? Comment tu es rentré dans leur vie? Comment tu as accès à leur vie? En train de mentir là. Comment tu entres et tu sors de... Comment tu fais? Est-ce que tu n'es pas un esprit résident? Parle au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais te retirer le souffle de vie de tes narines. Aujourd'hui, tu ne vas plus faire partie des vivants. Tu vas aller là où tu dois être, dans le séjour des morts. Comment est-ce que tu opères? Et depuis quel hôtel tu travailles dans la vie de cet enfant? Qu'est-ce que tu lui as volé? Tous ses dons. Et toi, ça te profite en quoi? Ça te donne quoi? Ça te donne quoi de faire ça? Des grades. Quelle est ta mission dans Jésus revient? C'est ça ta mission. Donc, pendant que tu étais dans cette église, tu avais ta feuille de route cachée, c'est ça? Anne. Tu en veux à Anne. Et pourquoi? Tu vas l'écraser. Et pourquoi tu l'en veux? Et pourquoi tu l'en veux? C'est elle qui t'a dévoilé. Et comme Anne, il y en a combien que tu veux écraser? Esther aussi. Anne Josué. Mais tu sais très bien que quand tu allais venir, tu sais très bien que tôt ou tard, tu allais démasquer. Tu savais. Tu savais. Maintenant, ton hôtel où tu as été initié, c'est où? Je répète, ne retournez pas à vos vomis. D'accord. C'est au Togo, c'est au Bénin, c'est au Nigeria. Où se trouve ton hôtel? Bien aimé, même si dans la famille, ton hôtel est où? Et que maintenant, tu es en train d'avoir l'argent. Et quand tu es minimaliste, on te minimise. Ton hôtel de vaudou est où? Ma soeur, ma mère, mon père, je vous le dis. C'est pas toi qui vas te voler. Qu'est-ce que tu caches dans ta maison? Qui es-tu pour pouvoir régler ça? Tu ne peux rien faire. C'est pourquoi dans la famille, les grands frères sont humiliés. Et c'est le petit frère à qui on donne l'honneur. Qu'est-ce que tu caches dans ta maison? Et toi, tu te plains pour quoi? Qu'est-ce que tu caches dans ta maison? C'est pour la dernière fois. Regarde, je vais te livrer entre les mains de l'ange de la mort. Qu'est-ce que tu caches? Sortez de ces péchés. Il n'y a pas de petit péché. Un péché, c'est un péché. Celui qui s'amuse à le péché, il va en enfer direct. Qu'est-ce que tu caches avant que je te livre entre les mains de l'ange de la mort et qu'il parte avec toi? Parle au nom de Jésus. Car ce que nous lions sur terre sera lié dans les cieux. Et ce que nous lions dans les cieux sera aussi lié sur terre. À présent, si tu ne veux pas recevoir cette fin malheureuse, je t'ordonne maintenant, dans le nom de Jésus, parle.
aujourd'hui, Dieu. Qu'est-ce que tu caches? Dieu m'a fait la grâce. Dieu nous a fait la grâce de connaître. Dans cette maison où tu es. Alléluia. Alléluia. Et donc, tu caches quoi? Votre témoignage doit parler plus fort que vous-même. Tu caches quoi dans cette maison? Tu as quoi sous ton lit? Tu as quoi dans le placard? Tu as enterré quoi là-bas? J'augmente le feu et je commande, Seigneur Jésus-Christ, faites descendre maintenant les anges de guerre, qu'ils poursuivent maintenant, qu'ils les rattrapent et tous, aucun d'entre eux n'échappe, qu'ils soient taillés en pièces, 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 les blessures mortelles à la tête, dans les pieds, dans les bras, dans le cœur, dans le dos, des blessures mortelles, des blessures mortelles. Père, ordonne maintenant qu'une guerre civile éclate entre eux et qu'ils s'entretuent et qu'ils mettent Israël au milieu et qu'ils le décapitent et qu'ils le décapitent et qu'ils le décapitent. Que tous ces pouvoirs tombent, tous ces pouvoirs meurent. Je tue ces pouvoirs. Je tue ton autorité. Je tue ton pouvoir. Je tue ton pouvoir. Je te l'arrache. Je te l'arrache. Regarde, ça te quitte. Légion. Donc, une légion. Tu as une légion. Légion de démons. Légion de démons. Il est écrit. Il est écrit que devant la légion, que devant la légion des démons, le fou de Gadara était rempli de légions, du doigt de Dieu. Les légions se chassent avec le doigt de Dieu. Tu chasses les enfants. C'est toi qui les chasses. Tu vides l'église. La prophétesse est partie là. Comment ça fait? Oh, c'est moi, Esther. C'est moi, je l'ai chassé. Parce que regarde l'argent. L'argent, c'est l'argent. Et moi, je l'ai chassé. Comment t'as trouvé 17 000? Je l'ai chassé. Elle est là-bas, elle vous regarde. Tant que je suis là, elle ne va pas venir. Tant que je suis là, elle ne viendra pas. Et qu'est-ce que tu as fait sur elle? Je l'ai chassée. Tu l'as envoûtée. Elle est là-bas, elle vous regarde. Tu l'as envoûtée. Elle ne peut pas venir. Est-ce que tu sais que ta condamnation et ton jugement sera terrible? Très terrible. Ton jugement sera terrible. Est-ce que tu sais que tu vas descendre dans les entrailles des abîmes et que tu ne vas même pas passer par le jugement? Est-ce que tu sais que tu seras détruit par les démons que aujourd'hui tu marches avec eux? Parce que Satan n'a aucune pitié ni aucune envie de collaborer avec vous. Car le diable lui-même, il travaille afin de vous éprouver devant la face de l'Éternel. Le diable ne t'aime pas. Tout tes pouvoirs que tu as, regarde, ça disparaît. Ta boule de cristal, son canari, tes statuettes, tes bagues, tes bougies, tes bouteilles. Regarde, tout est en train de prendre feu. Je commande au nom de Jésus que le tonnerre frappe partout où ça y est. Que le tonnerre frappe partout où ça y est. Que le tonnerre frappe partout où ça y est. Que le tonnerre frappe partout où ça y est. Dans le nom de Jésus-Christ. Le tonnerre le détruit. Le tonnerre le détruit. Le serpent que tu adores, vomis-le maintenant. Vomis ton serpent. Vomis-le. Vomis ton serpent. Vomis ce piton. Manifeste-toi. Vomis-le. Au serpent tel qu'il est, le python que tu adores dans le vaudou, vomis-le maintenant. Je peins sa queue. Je mets le feu sur sa queue. Il ne peut plus se maintenir. Il ne peut plus se retenir. Allez, tu le vomis maintenant. Vomis-le. De la feu. Je crasse sa tête. Au nom de Jésus. Je crasse sa tête. Je crasse sa tête. Au nom de Jésus. Je crasse sa tête. Au nom de Jésus. Je crasse sa tête. Au nom de Jésus. Allez, libère tous les œufs maintenant. Les œufs du doute que tu as mis dans la vie. Allez, ça sort. Les œufs de la mort. Tu les retires maintenant. Allez, vomis ça. Vomis. Allez, libère là. Vomis. Tes œufs. Dépêche-toi. Allez. Vomis-les. Au nom de Jésus. Vomis-les. La langue.
vomis la tire au nom de Jésus. Je 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 tire toute ta langue dehors au nom de Jésus. Je tire toute ta langue dehors. Je tire toute ta langue dehors. Tu ne peux rien retenir au nom de Jésus. Tu ne peux rien retenir. Ça sort. 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 Tu ne peux rien retenir. Ça sort maintenant. Tu ne peux rien retenir. Ça sort maintenant. Tu ne peux rien retenir au nom de Jésus. Vomis le sang. Vomis. Oui, tu veux parler. C'est elle qui accueille tout le monde dans sa maison. Toutes les servantes de Dieu sont chez elle. J'ai semé dans la maison. Toutes les servantes vont prendre des semences. Et qu'est-ce que tu es allé faire dans sa maison? Tu as semé comment? Tu as semé quoi? Comment tu as semé? Tu es rentré chez elle? C'est moi, je partais là-bas. Je suis parti trois fois chez elle. Dis-moi. J'ai mis des caméras. Quand tu as embrassé le vendredi, quand tu as embrassé le pasteur Jacques, le but c'était quoi? Descends. Tu veux le descendre. Viens ce qu'il a fait. Vendredi, dès que tu es arrivé, nous ne nous a pas salué. Hein. Si, si. Dès qu'il a dit, c'est toi qui l'as blessé. J'ai pas aimé. Il est trop en haut. C'est lui qui est le plus fort. C'est lui qui commande. Parce que le ténèbre. Mais il sera difficile pour toi de rechigner les aiguillons. Mais l'éternel est fort. Il sera difficile pour toi de rechigner les aiguillons. Tu ne peux rien faire contre ça. Ça n'a personne. Hein. Dès que tu es arrivé, c'est toi qui l'avais fait à toi. Je l'ai rien dit, celui-là. Il ne peut rien pour attendre. Quand je veux l'exposer, il ne va jamais oublier. Comme on l'a parlé en catimini, hors des choses, voilà. Sans que tout le monde ne soit au courant. Tu vas continuer ta sorcellerie. Tu vas voir. Bientôt, tu vas venir. Donc, je vais te demander de le faire venir, non? Dans le vaudou, ton bisopi, c'est là-bas que tu gardes ta force. Oui. Oui, c'est là-bas qu'il opère. Bon, maintenant, sors de. Dépose tout ce que tu as volé. Dépose tout. Tu as volé tout. C'est donc. Où ses yeux. Tu as fermé ses yeux. Sa prophétie, j'ai coupé. Tu as coupé sa prophétie. Et tu as fait quoi d'autre? Regarde David. Regarde, sa bénédiction était là. J'ai tout éloigné. Les démons sortaient de Saül. Qu'est-ce que tu as créé entre Sarah et elle? Oh, j'ai mis des choses sur elle quand Sarah la voit. Quand vous commencez dans l'adoration, les deux, ça peut parler jusqu'à ce qu'elle sorte. Parce que c'est elle qui est la lumière de la maison. Elle va sortir de chez elle. Sarah va partir loin. Et je vais vraiment remplir sa vie. Je l'ai mis dans la sorcellerie inconsciente et je vais maintenant lui donner la chair. Elle va manger, elle va faire partie de mon clan. C'est mon but. D'accord. Qu'est-ce que tu as semé? Qu'est-ce que tu as semé chez elle à la maison? Oh, j'ai mis des caméras, beaucoup de choses. C'est bon, rempli dans sa maison. Dans les coins, dis-moi où exactement. Tous les coins, les quatre coins, je semé devant la porte. Mais elle a une vie de prière. Même c'est moi, j'ai tout coupé. Actuellement, elle est. Alléluia. C'est qui? C'est la petite prophétesse là, évidemment. C'est quand? Lors de la veille, non? Ou bien le dimanche? Je ne sais plus. Elle a veillé, c'est la veille qu'on a découvert tout ça. Marie de Madara, elle veut faire venir une encore parce qu'elle est gentille. Donc les deux se chamaillaient, elle se plaignait du fait qu'elle priait trop, tout ça. Donc elle a demandé de partir. Et donc c'est pour ça que je leur ai demandé de venir pour qu'on règle tout ça une bonne fois pour toutes. Et donc, on s'occupait de Sarah quand elle a dit, elle aussi, elle aimerait qu'on prie pour elle. C'est monstre, rempli dans sa maison. Tu avais dit que le Seigneur avait dit de le mettre en garde, de lui donner trois jours, s'il ne répondait pas, elle allait le frapper. Oui, mais je pense qu'on va faire ça. Bien sûr. Parce qu'elle est en train de détruire les enfants. Bien sûr. Vendredi, là, je n'ai pas aimé l'esprit même. Il n'a salué personne. Il nous a vus, nous tous. Il n'a salué personne parmi nous. Tel qu'il t'a vu arriver là, et c'est j'étais là. Il dit celui-là, ce qui me connaît. Quand je vais l'exposer là, il ne va jamais oublier ça de toute sa vie. On t'a appelé en catimine, on a dit les choses secrètement pour ne pas que ce soit un scandale. Son témoignage, il a témoigné, il a semé dans la vie de tous les enfants de Angrais. Oui, j'ai semé. Descends là-bas et fais la délivrance, sinon, c'est fini. Sur les hommes de Dieu de Angrais, tu as fait quoi? Oui. Les hommes de Dieu, Jérémie et Abraham. Lui, Jérémie, tu as eu un songe où on t'a égorgé? Non, c'est là.
ma voix. Ah, depuis là, partout. Les appeler. Plus de vie de prière. C'est fini. C'est bon. Malgré que tu n'aies pas aux affaires, tu continues de sévir, c'est ça? C'est mes agents. Qui sont tes agents? Ils sont combien? Le premier. Le deuxième. Maths. Le troisième. Oh, vous ne connaissez pas le nom. Troisième. Toi, tu le connais, donne le nom. Tabitha. Quatrième. Les enfants. Lesquels enfants? Les trois enfants. Lesquels trois enfants? Quels trois enfants ont le nom? Lesquelles trois petites? Les enfants d'Esther. Les enfants d'Esther. Les enfants d'Esther, tu les connais? Jérémy. Les enfants d'Esther. Quelle Esther? La magie, c'est la sorcellerie. Matt, la maman de... Les petites filles de... Lorsqu'il parlait, on parlait de ça. Les femmes qui travaillent dans le monde. Ah non, c'est conforme, hein. Oui, oui. Il attaque les serviteurs. Mais la même chose qu'il a dit là-bas. C'est la même chose, il répète ici. Les dons d'Emmanuel. Quel est ton nom dans le règne de Dieu? Tous les appelés dans la forêt. Il séduit les jeunes filles. Esther, la femme d'Abraham. Anne-Josée, Matt, Anne, Petite. Esther, c'est la femme d'Abraham, pasteur Abraham, elle. Oui. Ma ses enfants, tu les as mis à la sorcellerie. Non, pas elle. Ah, c'est pas elle. Ah. Les enfants, la nourrice et ses enfants. Ah oui, donne ça à toi. La nourrice de ses enfants. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, je l'écoute, mais il y a de la fausseté dans ce qu'il dit. Si la situation est en vie, ta famille est compliquée. C'est quelle Esther, ça? De confusion. Quelle Esther? Regarde. Tu n'es pas Israël, tu es qui exactement? Elle-même, elle est confuse. Hé! Tu n'es pas Israël, tu es qui exactement? Attends, mon fils. Attends, tu n'es pas Israël, tu es qui exactement? Je suis assis là-bas, mon cœur n'est pas en paix. Tu es qui exactement? Tu es qui exactement? Toi qui veux jeter le discrédit et la confusion dans l'église et pousser les brebis à sortir parce que vous, on connaît vos manigances. Il va accuser l'un ou l'autre et puis on va les amener, ils vont se cogner la tête, ils seront découragés, ils vont sortir de l'église. Tu es qui exactement? Tu n'es pas Israël. Qui es-tu? Chiffre du Saint-Esprit. Chiffre du Saint-Esprit. Chiffre. 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 Qui es-tu? Attends, je vais prendre le fou. C'est bien facile d'accuser les gens de sorcellerie. Tu es qui? Tu n'es pas Israël. Tu es qui exactement? Toi qui, depuis un moment, sévis dans l'église. Tu es qui exactement? La fronde. Et les pierres qui ont servi à frapper Goliath, il est tombé raide mort. Et David a utilisé l'épée pour l'égorger. Je vais utiliser cette fronde et cette pierre pour te frapper au front. Tu es qui exactement? Tu nous donnes ta véritable identité. Tu n'es pas Israël. Tu es qui exactement? Qui es-tu? Toi qui crée la confusion et qui veux qu'on cogne les têtes des enfants pour les décourager. Qui es-tu? Je t'injecte le sang de Jésus. Je t'injecte le sang de Jésus. Tu ne pourras même plus mentir. Écoute-moi très tu bien. Tu ne pourras plus mentir. Qui es-tu? Garde à toi. Si tu nous mens, je vais te déchirer la poitrine. Saisis ton cœur et les dévorer. Au nom de Jésus. Je vais appliquer la loi du talion contre toi. Tu es qui exactement? Nous t'ordonnons de nous donner ta vie. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Tu es qui exactement dans la vie d'Esther? Mets le feu dans ta gorge. Tu es qui exactement? Mets le feu dans ta gorge. Tu n'es pas Israël. Mets le feu dans ta gorge. Nous reconnaissons la signature d'Israël. Tu es qui exactement? Ouvre la bouche et parle audiblement. Qui es-tu, esprit méchant? Qui es-tu? C'est toi, Lucifer? C'est toi, Lucifer? Tu me réponds pas oui ou pas non? Esprit de confusion. Tu es qui exactement dans la vie d'Esther? Je sais que tu n'es pas Israël. C'est la dernière fois que je te pose la question. Je ne réponds pas. Je vais demander à ce que cette terre prenne feu et te consume tout entier au nom de Jésus. Qui es-tu? Par l'esprit pur. Qui es-tu? Tu n'es pas Israël. Qui es-tu? C'est trop facile. Je retire ta cachette. Je retire ta cachette. Au nom de Jésus. Nous retirons toutes tes cachettes. Au nom de Jésus. Nous enlevons toutes les cachettes. Que tu au nom de Jésus. Nous les retirons. Nous les retirons. Nous les enlevons. Maintenant, tu es exposé. Tu es démasqué. Tu es démasqué. Qui es-tu, esprit impur? Es-tu? Toi, l'esprit de confusion, qui es-tu? Christ, qui es-tu?
mais le feu dans ta gorge. Nous délions ta langue. Nous délions la langue. Au nom de Jésus. Les cordes sur sa langue. Nous enlevons le cadenas sur la bouche. Nous cassons la chaîne sur la bouche. Nous retirons les aiguilles sur la bouche. Je retire le fil. Je brûle ce fil. Je brûle le fil. Exactement. Je le retire de sa bouche. Par le nom de Jésus. Je retire de sa bouche. J'ouvre la bouche maintenant. Et je mets le piment du Saint-Esprit dans ta bouche. Et maintenant, tu vas parler. Reçois le piment du Saint-Esprit dans ta bouche. Parler au nom de Jésus. Reçois le piment du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Jamais tu n'as goûté à ce piment. Au nom de Jésus. Il est plus douloureux que tous les piments de l'univers. Il t'oblige à parler. Il t'oblige à parler. À révéler ta véritable identité. Qui es-tu et d'où est-ce que tu viens? Pour l'esprit de confusion qui veut cogner la tête des enfants de Dieu. Qui es-tu? Qui es-tu? Tibalba. Tu vas parler tout à l'heure, tu vas je pas te donne le nom de Jésus. Tu me dis ton nom. Tu es qui? Tu es Lucifer. Écris ton nom au sol. Écris-moi ton nom. Écris ton nom. Prends. Allez, prends cette craie là.